Bon, ben salut tout le monde. Parti pour une petite vidéo. Donc étant donné que je vais pêcher qu'une après-midi, donc je vais vous montrer un petit peu la stratégie que je vais adopter. Donc pour gagner du temps en fait, je vais utiliser des sacs solubles que je vais réaliser avant la session de pêche. Bon, c'est une stratégie en fait qui fonctionne absolument partout, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle saison. Alors en ce qui concerne le plan d'eau, ça va être un petit plan d'eau du domaine public. Donc il y a une certaine pression de pêche, pas mal de nourriture naturelle, et en même temps, vu que je vais pêcher que quelques heures, il va falloir être en action de pêche assez rapidement, assez précis, et étant donné qu'il y a pas mal de nourriture naturelle, en fait, ça sert à rien d'amorcer. Je vais en fait faire un poisson assez rapidement, sans le nourrir, mais l'attirer sur mon cou pour essayer de le capturer. Bon, alors, en ce qui concerne les sacs solubles, en fait, il existe plusieurs dimensions. Des petites, des grandes, des perforées ou des non perforées. Donc ça va dépendre de la situation de pêche que vous allez rencontrer, de la distance de pêche aussi et de ce que vous voulez mettre en fait à l'intérieur du sac soluble. Au niveau de ce qu'on peut mettre à l'intérieur, en fait c'est absolument personnalisable à 100%. Donc soit on peut mettre du baby corn, soit des pelets de différentes tailles, soit des tout petits pelets, soit des bouillettes broyées avec du pelet. C'est absolument personnalisable à 100%, il n'y a aucune règle là-dedans. Donc lâchez-vous, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Bon, alors en fait, surtout ce qui va vous guider dans le choix des appâts que vous allez mettre dans le sac soluble, ça va être surtout la distance. Donc si vous pêchez à courte distance ou moyenne distance, bon, c'est pas un souci. Par contre, sinon, si vous voulez aller chercher les poissons un petit peu plus loin, il va falloir se tourner en fait sur des appâts qui sont de petite taille ou qui s'imbriquent bien les uns dans les autres. Pour faire en fait un sac solide qui va être bien compact, le moins d'air possible à l'intérieur et relativement profilé pour lancer le plus loin possible. Car si vous mettez en fait uniquement par exemple du baby corn, le problème c'est qu'il va y avoir des interstices qui vont se créer, ça va pas s'imbriquer les uns dans les autres, il va vous rester pas mal d'air entre toutes les éches et en fait le poids du sac va être mal réparti, donc vous allez avoir un problème de lancer au niveau de la trajectoire. Alors en ce qui concerne le montage, donc il n'y a pas de règle là non plus, aussi c'est pareil, hein. Donc vous pouvez pêcher soit à fond, soit équilibré, soit en flottant, il n'y a aucun problème. Juste ce qu'il faut respecter en fait c'est la taille du bas de ligne. Donc il va falloir qu'il soit en très souple pour pouvoir le mettre dans le sac soluble et ne pas en fait couder. Par exemple si vous utilisez du fluorocarbone ou quoi, ça va avoir tendance à mâcher quand même le bas de ligne. Donc un bas de ligne en très souple, de petite taille. Parce que, il faut bien comprendre quand même que le sac va être comme ça. Le plomb va être à l'intérieur et le bas de ligne pareil à l'intérieur aussi. Hein. Donc ça va vous faire une tâche d'appât vraiment extrêmement groupée au niveau de votre montage. Donc en ce qui concerne le plomb, c'est pareil. Hein. Alors, soit on peut utiliser en inline ou soit en dérivation. Mais enfin suivant la taille en fait des sacs solubles, donc c'est vraiment mieux au niveau du remplissage et de la présentation et surtout de l'autoferrage, un plomb inline est meilleur qu'un plomb en dérivation. Puis c'est plus facile aussi à mettre dans le sac soluble. Et pour terminer en fait, je vais utiliser une partie de lead cord à peu près un bon mètre. Comme ça tout va reposer au fond, il va rien avoir qui va rebiquer ni quoi que ce soit avec des lignes à peu près détendu, donc ça va bien se plaquer au fond. Le petit plomb qui va reposer au fond aussi pareil, avec soit un appât équilibré ou voire même une petite flottante qui va se présenter comme ça là, vraiment juste au-dessus du tapis d'amorce, c'est vraiment prenant quoi. Comme ça dès que le poisson arrive en fait sur votre montage, attiré par ce que vous avez mis dans le sac soluble, il va avoir direct la petite bille flottante ou quoi. Ou si c'est une hache en plastique et tout, hein, ça marche exactement pareil. Il va voir directement ça là et il va le tester et bien souvent vu que le bas de ligne est vraiment très court, pouf il va s'autoferrer directement quoi. Donc c'est vraiment super prenant quoi. Alors étant donné que je vais devoir pêcher assez loin,
Donc bah, je vais utiliser un petit sac soluble. Et par contre celui-là ne va pas être perforé. Donc là aussi c'est pareil, hein. Soit on peut mettre d'abord le plomb à l'intérieur et mettre le bas de ligne en fait à la fin. Ou soit mettre carrément directement le bas de ligne à l'intérieur. Alors moi personnellement je m'embête pas. Je mets directement le bas de ligne. Donc je le cale dans le fond pour qu'il ne bouge pas. Et vu que je vais devoir lancer quand même assez loin, il va falloir un sac bien compact. Donc en fait je vais utiliser du pellet en 2 mm. Donc on garnit le sac. Bon, il y a des petits ustensiles qui permettent d'ouvrir le sac. Bon, ça revient exactement au même et tout. Bon, j'ai essayé. Franchement, j'ai été un petit peu déçu parce que c'est pas pratique pour tasser au fond. Par exemple, si on utilise du stick mix ou autre. Et je sais pas, c'est passé peut-être le truc, il était neuf. Mais en fait, ça m'éclatait les sacs solubles, quoi. Ça tirait trop dessus. Franchement, j'étais assez déçu. Donc là, ben, on continue à le charger progressivement. On répartit bien tout le mélange. On tasse un petit peu, soit avec le doigt, soit avec le plomb. Et là, c'est pareil, on continue à le charger. En veillant à bien le tasser, quitte à y taper un petit peu dessus. Plus il sera tassé, plus vous pourrez mettre d'appât dedans, plus il sera dense. Il va bien se tenir pendant le lancer, écouler relativement plus vite, étant donné qu'il y aura moins de place au niveau de l'air à l'intérieur, en moins de bulles d'air. Après, pour qu'il coule plus vite aussi, c'est pareil, hein, vous pouvez prendre l'aiguille à bouillette, le percer et faire comme si c'était des sacs solubles en fait qui sont perforés, quoi. Alors une fois que c'est rempli, il vous reste plus qu'à humidifier en fait tout le tour et à tourner autour du lit de corps ou votre corps de ligne, c'est pas un souci. Alors vous pouvez très bien aussi utiliser du ruban soluble, du fil soluble pour attacher le sac soluble pour pas qu'il sorte. Mais déjà rien que ça là, une fois que c'est bien collé, il n'y a pas de souci, ça peut se balancer à plus de 100 mètres, il n'y a aucun souci, ça tient bien, quoi. Le coin, c'est pareil. On les tasse un petit peu. On les colle avec un petit peu de salive pour que ça fasse vraiment un aérodynamisme parfait. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois réalisé. Donc un sac bien compact, aérodynamique, qui va se lancer vraiment super bien. Il va tomber vraiment vite vite au fond de l'eau. C'est vraiment parfait, quoi. Juste une toute petite tache d'amorce avec une petite popette qui dépasse. Franchement, c'est super prenant, quoi. Alors pour gagner du temps en fait, il suffit d'en faire 2 ou 3 comme ça là. Ce qui est pas mal en fait, c'est avec par exemple le licor ou un leader. Donc il y a une petite boucle. Donc ce qui va permettre en fait de s'avancer dans la préparation en fait des sacs solubles. Donc il suffit de prendre le corps de ligne, donc de faire une boucle, de faire un nœud. Vous repassez à l'intérieur un nœud simple. Vous repassez dans la boucle pour créer un nœud double. Vous le serrez. Faites une boucle quand même relativement grosse pour pouvoir en fait passer
votre sac soluble à l'intérieur. Donc là, il ne vous reste plus qu'à prendre la boucle de votre litcore, de l'épissure. Vous faites passer votre corps de ligne à l'intérieur. Et ensuite, vous allez passer votre sac soluble à l'intérieur. Faire coulisser le tout. Et là, ça va faire un genre de boucle dans boucle. Donc une fois serré, ça bouge plus. Là, c'est pareil, ça se balance bien loin. Le nœud, vu que c'est un nœud de 8, donc ça glisse pas du tout. Et vous gagnez vraiment énormément de temps à la préparation en fait, de vos sacs solubles, par exemple à la maison ou en attendant les touches. Et par contre, une fois que vous avez une touche, bah, pouf, vous enlevez le montage de la gueule du poisson. Vous remettez un sac soluble bah sur grâce à votre lead core et à votre petite boucle, vous relancez et voilà, vous êtes en action de pêche vraiment très rapidement quoi. Une fois votre sac soluble relié à votre corde de ligne, avant de le lancer, si c'en est un qui est pas perforé de sac soluble, donc on peut pousser le bouchon encore un petit peu plus loin au niveau de l'attractivité. Donc on peut très bien prendre en fait du booster. Une seringue classique et tout, on va dans une pharmacie ou un truc comme ça coûte que dalle. Pomper le booster dans la seringue, planter la seringue dans le sac soluble et injecter le booster à l'intérieur. Et là, je peux vous dire que quand le sac soluble il va arriver au fond de l'eau et quand il va exploser, vous imaginez bien en fait le nuage de booster qui va se créer autour et un peu dans toutes les couches d'eau, vu qu'étant donné qu'il n'est pas perforé, il y a de l'air à l'intérieur quand même. Et une fois que ça va exploser, ça va faire monter des bulles d'air ainsi que le booster, ça va faire un beau nuage. C'est vraiment excellent quoi. Alors je ne l'ai pas dit avant de mettre le bas de ligne à l'intérieur du sac soluble, en fait le montage que je vais utiliser là, c'est un blowback rig. Donc c'est un petit montage avec sur le cheveu un petit anneau qui coulisse sur la rampe de l'hameçon. Donc bon, je vous le présenterai lors d'une prochaine vidéo. Donc c'est un montage qui est quand même vachement polyvalent, étant donné qu'il y a quand même pas mal il y a une bonne pression de pêche sur ce petit plan d'eau public. Donc ça va faire parfaitement l'affaire. Avec une petite hache équilibrée, on va essayer en fait du moins de prendre au moins un poisson dans l'après-midi. Allez, c'est parti. Bon, ben, comme d'hab en hiver, c'est pas des départs fulgurants. Mais un joli poisson à la queue. Superbe commune. Un petit départ, mais sacré combat quoi. Ah ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais apparemment ça fonctionne.